Vanny est soigneuse au bioparc de Douai-la-Fontaine. Ah. Un métier passion, où rien n'est laissé au hasard, où chaque geste a son importance. La journée de Sylvanie commence sur les chapeaux de roue, pour une visite chez le roi des animaux, le lion. Pas vraiment habitué à d'autres visites que celles de sa soigneuse. Surveiller, animer et bien sûr nettoyer les parcs. Là je vais faire les vitres avec Kevin qui va me donner un coup de pouce et un plus vite comme ça. Je vais nettoyer toutes les vitres intérieures et extérieures du parc. Vu qu'on rentre qu'une fois par semaine dans le parc, il faut vraiment qu'on fasse les vitres intérieures pour qu'elles soient propres. Et ratisser toutes les parties sablées, ramasser les crottes et puis nettoyer leur abreuvoir du parc. Voilà. C'est un travail qui est plaisant, on est dehors, dans un cadre, surtout ici, qui est plutôt qui est sympa. C'est joli, on est en plein air, on entend le bruit des animaux, on les voit. Voilà, moi le métier que je voulais, c'était d'être au contact des animaux. Alors c'est pas un contact direct, mais c'est un contact quand même. Après, forcément, je préférais les espèces carnivores, celles avec lesquelles je travaille en partie. Les loutres géantes, c'est une espèce qu'on a vue qui est assez sympathique parce qu'elle est très joueuse, elle est très curieuse. Je travaille aussi beaucoup avec les oiseaux. Les condors, les vautours, voilà, c'est pareil, c'est des espèces impressionnantes, donc je vais forcément être un petit peu plus attirée par ces espèces-là. Mais sinon, j'aurais pas une espèce d'oiseau en particulier que je vais préférer. C'est vraiment là, pour le coup, pour les oiseaux, ça va être le cadre qui est particulier. Je vais être attirée par ce qui est impressionnant et par le comportement des individus plutôt que d'avoir une espèce phare. Même si l'affect l'emporte parfois sur son travail, Sylvanie n'en oublie pas pour autant de faire avec la même énergie certaines tâches un peu plus rébarbatives. Là, il y a trois cases avec de la paille. Donc une fois par semaine, on les change, sauf si exceptionnellement c'était plus sale un autre jour. Et bien là, on les changerait deux fois s'il faut quand même. Comme la plupart des enfants qui veulent travailler avec les animaux, moi je voulais être vétérinaire, c'est le seul métier qu'on va connaître. Et puis il y a eu ici en plus, c'est ça qui est marrant, une journée rencontre de métiers animaliers. Et en venant, j'ai découvert le métier de soigneur animalier. Ça m'a plu, mais après je me suis renseignée un petit peu plus de ce que c'était. Et donc j'ai intégré une formation de soigneur animalier de parc zoologique. Et puis pendant cette formation, on fait des stages. Et puis à la fin de la formation, j'ai cherché du travail. Voici donc le bon chemin pour allier passion et travail. Parole d'experte. Aux soigneurs en herbe, il ne vous reste plus qu'à prendre votre envol.